Hey, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de God of War Ragnarok où avec Kratos qui a en main les lames du chaos avec Atreus derrière où on doit donc aller voir ce que Atreus veut nous montrer parce qu'il a trouvé quelque chose, apparemment quelque chose d'incroyable et il veut nous montrer. Pour pouvoir en fait, bah, ça entamera, enfin ça entame déjà, mais encore plus la quête de savoir en fait les questions que Atreus se pose. Qui il est réellement, qui est Loki quoi, en gros, parce que Atreus c'est le nom que Kratos lui a donné, et Loki c'est le nom que sa mère lui a donné, enfin du moins que sa mère voulait lui donner. Donc voilà. Et on a l'avenir, la fin du premier God of War, espèce d'immense fresque. On voit tout ce qu'on a traversé dans le premier jeu. Et à la fin, on voit Kratos dans les bras d'Atreus, par terre en fait. Kratos est allongé, Atreus est à genoux derrière lui en le tenant. Donc, à voir ce que ça va donner. Est-ce que ça sera dans celui-ci? Est-ce que ce sera dans un troisième? Moi personnellement, je pense ils vont en faire un troisième. Donc à voir. Est-ce que j'ai découvert aussi normalement avec comment s'appelle la hache? Donc on fait ça. Ça c'est un pouvoir normalement qu'on acquiert dans le premier et qu'on peut pas faire autant qu'on veut. Et donc attendez. Voilà, tac, je l'utilise et en même temps. Et on a ça aussi, je sais, c'est cool qu'ils aient fait ça. Je sais pas si dans le premier on pouvait faire ça, mais en tout cas c'est assez cool. Chacun leur truc. Donc on est go. Bon, je m'étais juste arrêté là en fait. Ce pilier n'était pas dans le passage la dernière fois. Bah voilà. Beaucoup mieux comme je ça. Je disais, Tyr était un allié des géants. Donc si nous le trouvions, il serait de notre côté. Et si quelqu'un sait qui je suis censé être, c'est bien lui. S'il est vivant, il faut qu'on le trouve. C'est évident. Ce ne sont que des si, Atreus. Qu'est-ce que tu sais? Tu verras. Ok. Je sais pas si je peux aller là-bas en... Si, attends, ce qu'on va faire, c'est. Maintenant, il a plus besoin de notre aide. Pourquoi on peut le remettre? C'est chelou quand même. Pourquoi on peut le remettre? Attends, je vais juste revenir en arrière parce que. Il y a un passage où on peut descendre. Donc j'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. S'il y a des objets à récupérer, de l'argent. Pas descendre par là? On peut utiliser ça ou pas? Ah non, c'est de là-haut. Attends, on est passé par là. Ok, d'accord. On peut pas passer par là. On peut utiliser, j'allais dire peut-être la hache. Non, on peut pas. C'est ici. Je pense qu'on doit faire le tour, je pense. Ah bah oui. Ah, ça fait bizarre en fait de plus avoir Atreus dans le dos. C'est d'habitude on le... Ah! D'accord, ok. Je comprends le pourquoi du comment. On pouvait le faire bouger. J'ai pas compris. Appuyez. Appuie sur. Ah! Ok, d'accord.
On ne pouvait en aucun cas y aller. Par contre, on pourra revenir ou pas? Attends, attends. Ah, mais c'est par là que je peux passer. Ok, d'accord. Je pensais que bah, c'était un passage pour monter encore plus haut, mais non. Donc, en fait, on doit y aller. Qu'en penses-tu? Je n'ai aucune idée de ce qu'il a trouvé, mais il dit avoir des preuves. Au point où nous en sommes, autant aller voir. Bah oui, de toute façon. Thor veut notre peau. Odin veut notre liste. Donc, autant aller jusqu'au bout. Hein. Il y a beaucoup de morts. On devrait continuer. Pour charger de feu. Charger. Ah oui, une attaque. Merde! Serre-toi de tes lames! Brûle-les! Je sais! Serre-toi! Prends garde! Mais pourquoi? Genre, je donne des coups, des coups et des coups. J'arrive pas, c'est dingue. J'ai perdu du gameplay par. Oh putain. Il est où? Je vais à chaque fois. Derrière toi, regarde. Mais non. Genre j'esquive. Attends, faut que je récupère là. Attends, faut que je récupère là. Merde, c'est rond. Pourquoi je fais carré, bordel? Mais arrête de me taper, j'esquive, bordel. Je fais rond à chaque fois, c'est dingue. J'arrive pas, j'y arrive plus. J'ai perdu le truc. J'ai perdu le gameplay, en fait. J'ai perdu le gameplay. Alors que dans le premier épisode, tranquille. Enfin, deuxième, plutôt. Désolé, là, j'ai pas le choix. Il est où? Bordel, j'ai perdu le gameplay en fait, j'ai perdu du truc en fait. Je sais plus comment jouer, bordel. Non, je m'en fous de ça. Mais, putain, non. Je sais. Je sais, mais le truc c'est que j'ai perdu le truc en fait. Voilà, casse-toi. C'est le dernier. C'est bon ou pas? Ah non. Viens dès là, toi. Projectile au-dessus. J'ai pas fait assez. Je jure si je veux. Et salut Pascal, comment ça va? Allez, balance ton truc, toi. Ah merde, ah non, c'est bon, j'ai cru que j'avais loupé. Bon, ça passe à travers le rocher, bon. Ah, je pouvais utiliser ça pour me défendre, merde, j'ai pas fait gaffe. Bah, je peux pas dire Gotti pour l'instant, hein, je suis qu'au début. Donc, y a pas Gotti ou Gotti pour l'instant. Ok, c'est par là, je pense. Je regarde quand même, on sait jamais. Ok, pas un autre passage. Je te dirai ça quand je serai plus loin dans le jeu. Hein. C'est formidable. Fimbulwetter a consumé notre magie durement acquise et de nouvelles horreurs ne cessent d'apparaître. Comme par hasard. Comme par hasard. Mais putain, mais oh! J'essaie de bloquer! C'est formidable. Fimbulwetter a consumé notre magie durement acquise et de nouvelles horreurs ne cessent d'apparaître.
comme par hasard. Bon. C'est par là. Ou alors non, il doit le lire. Tu es homme de l'hiver. Oui, c'est ça. Qui cela peut-il être? Ah bah non, maintenant c'est Kratos qui lit. Tu es homme de l'hiver. Les runes semblent avoir été tracées par des maraudeurs. Mais je ne connais pas cet homme de l'hiver. Dernièrement, leurs attaques se font plus nombreuses. Il est peut-être responsable de leur agitation. Et là, donc, comme je disais, en fait, c'est Kratos maintenant qui écrit les choses. Dans le premier, c'était Atreus. Et là, dans celui-ci, c'est Kratos. Grimpons. Tout de suite. Hein, il est devenu bon à cet exercice. Attends. On va monter tout là-haut, apparemment. Y'a rien d'autre? Y'a un coffre en bas. Je sais pas si toi, ton côté Pascal, si c'est le cas. Encore une scène de massacre. On a. Ça fait bizarre, moi, de mon côté, de pas avoir Atreus sur mon dos. Perso, même si j'aime beaucoup cette suite pour les graphismes toujours au top et son scénario captivant, de mon côté, le jeu niveau gameplay n'a que peu évolué et surtout, j'ai constaté, comme pour Horizon 2, que le jeu est quand même super dirigiste et te dit tout des. Attends, et te dit tout. Tout que tu bloques. C'est tout dès que tu bloques. Et ça c'est son gros défaut. Mais après le jeu est excellent, mais moi qui suis bien plus loin que toi dans l'aventure, je reste sur ma position que Elden Ring sera mon GOTY. Sera mon GOTY, car bien plus innovant sur nombre de points. On peut pas comparer. Je suis désolé, pour moi, Elden Ring et God of War ne sont absolument pas comparables. God of War n'est pas un monde ouvert, Elden Ring est un monde ouvert. Et c'est moins dirigiste que Elden Ring, tout ça, je pense aussi, comme tu dis. Il est moins dirigiste. Et God of War, oui, c'est dirigiste parce que c'est narratif. Ouais, mais pour moi, ils sont pas comparables. Pour moi, ils ont rien à voir à être comparés. Histoire, bon, pas d'histoire. Gameplay, pas même gameplay. Y a rien de comparable pour moi, en fait. Je comprends pas, pour moi, je veux dire, dans les émissions, les événements où tu dois élire un jeu dans une catégorie, tout ça. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir. Elden Ring et God of War sont diamétralement opposés. En tout point. En tout point, ils sont opposés. Pour moi, il n'y a rien à voir. J'ai pas joué à Elden Ring, mais j'ai vu beaucoup de vidéos là-dessus. Beaucoup de gameplay, tout ça. Et ça n'a absolument rien à voir. Donc pour moi, rien de comparable. Pareil que l'année d'avant. L'année d'avant, on avait... Alors pas en GOTY, mais je veux dire dans la liste des GOTY. C'était Animal Crossing, je crois. Avec du FF7, avec un jeu de voiture, je sais pas quoi. Donc comment tu veux voir un GOTY? Tu comparais des jeux comme ça qui sont diamétralement opposés, tu peux pas comparer, c'est impossible. Ah non, moi non, je suis désolé, je peux pas comparer, je suis désolé, c'est impossible de comparer. Tu vas me dire que tu peux comparer God of War à Animal Crossing? Non, tu peux rien comparer puisqu'il n'y a rien d'incomparable. Et Elden Ring et God of War, c'est la même chose. C'est incomparable.
je trouve qu'au niveau gameplay, Elden Ring, c'est plus lent que God of War. Parce que les roulades sont pas rapides, les attaques sont pas rapides. Enfin, je sais pas, moi, de ce que je vois, en fait, Elden Ring, comme dans Dark Souls ou Demon's Souls, tout ça, c'est le même gameplay. Je suis désolé. D'accord. Bon, on en parlera, ouais. Mais personnellement, non, je... Ouais, flanc gauche, tu me le dis 150 ans avant, s'il te plaît, merci. Je peux pas attaquer. Dis-le-moi 150 ans avant, pas 2 secondes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et moi je comprends pas comment Mimir ne peut pas mourir. Le gars, je roule dessus, il se prend des attaques dans le cul, Kratos. Bah, je sais pas moi, mais personnellement, Mimir devait déjà être mort depuis longtemps. Bah, y a rien d'autre. Hein. Est-ce que je peux les descendre? Je ne peux point. J'en ai vu des bains de sang. Mais ça fait beaucoup en une seule main. Oh non, mon frère. C'est qui ça? Ah, Freya. Ah non, pas Freya. Oh, c'est pas les, c'est les sorcières? Non. Ah non, des centaures. Une rôdeuse. Prudence, mon frère. Je crois que c'est notre prédateur. J'esquive quand même. Le bouclier a brisé, mon frère. Tâche de rester mobile. Ses cornes brillent. C'est peut-être son point faible. Lista. Voilà. Mais d'où? Ça c'est mal foutu je trouve avec le bouclier. Je suis désolé hein. Mais non. Ils ont mal foutu le truc avec le bouclier là. J'aime pas ce changement avec le bouclier. Voilà. Ah. Mort avec sa propre arme. La coupe est pleine. Fimbulvetr, Freya, les maraudeurs Thor et Odin qui débarquent. Et maintenant des rôdeuses tapis dans nos bois. On n'est plus en sécurité ici. Oui, mais ça c'est déjà fait, ça. On l'a déjà. Ah oui, non, mais je me doute que par la suite, l'histoire, ça va augmenter, quoi. Ça va être cool. Les gemmes d'attaque, oui, on sait ça.
Ah, d'accord. Je dis, mais pourtant, on fait déjà ça, recouvrir la hache de glace. Mais... D'accord, c'est une attaque. Ok. En bloc 1, 1, 1, 1. D'accord, ok. C'est le but, je sais pas. Je vais pas le faire là parce que j'ai pas envie de. Si je suis en train d'attaquer. Ok, on revient par là. Quoi? Ah, faut que je teste! Oh, putain, ils sont chiants. Ouais, non, franchement, il est très beau. Hein. Elle a encore de beaux restes, hein, la PS4. Hein. Père, bouclier que mère t'a donné. Thor l'a brisé. Mais maintenant. Les nains pourraient peut-être y jeter un œil. Peut-être. Plus tard. Non, maintenant. Je vais entrer par là. Je sais pas, moi, mais moi. Bouclier, c'est très important. C'est la faute du dieu cendreux. C'est elle qui nous l'a dit. La sorcière, elle a dit que le dieu Cendreux avait tué Baldur et que cela avait marqué le début de Fimbulvetr. Elle a dit que si le dieu mourait, gna gna gna, s'arrêterait. Plus de nuit, plus de froid, pas de Ragnarok. Cela fait une semaine que nos réserves sont épuisées. Peu importe. Bientôt, nous nous repaîtrons de chair divine. J'aime bien la façon qu'ils ont fait le. Le comment s'appelle le menu. Normal, non, normal. En normal, c'est bien comme ça. Alors, si j'avais vraiment beaucoup de mal, oui, j'aurais mis en facile, mais là non. Bon, là, on descend. J'entends un bruit. Ah, c'est là. Que faisons-nous ici, Atreus? Voilà. Tu te souviens de ces fresques qu'on a vues, qui racontent les histoires des géants, avec leur origine sur le panneau de gauche et leur destin sur celui de droite. Oui. Nous en avons trouvé beaucoup. Je les ai vus. Eh bien, il y en a bien plus qu'on pensait. Merci. Ouais. Pff. Quel intérêt d'avoir de récupérer cette. C'est déjà mieux que rien. On vient par là. J'ai testé le mode hardcore. C'est hyper tendu, ouais. Tu te fais tuer en un coup parfois, survenu à équilibrer. Ah bah oui, non mais attends. Oui, t'as choisi le truc God of War, quoi. C'est le niveau maximum. C'est... C'est hallucinant quand même. Ah mais après je pense aussi que les ennemis c'est des sacs à PV aussi après. Même le plus petit ennemi quoi. Ok, c'est là-bas. On va d'abord voir là. Attends, je regarde, non? Comme c'est de la glace, je me dis peut-être, non? C'est par là. Voilà. Comment fais-tu pour toujours les trouver? C'est ça de fouiller. Eh oui. Encore une chose que je t'apprends, fiston. Regarde quand même s'il n'y a pas quelque chose. Le pilier tombé, c'est nouveau. Mais oui, la bah fresque est de l'autre côté. Comme tout à l'heure. Alors attends.
Je suis arrivé par où? Par là, non? Ici, les effondrements sont monnaie courante. Fimbulvetter pèse. Je sais plus, je suis arrivé par là ou pas? Même la pierre. Oui, je suis arrivé par là, je crois. Oui, c'est ça, je suis arrivé par là. Avant de faire avec le pilier, il y a un coffre là-haut. Ah bah tiens. Ça c'est cool avec le. Avec les lames du chaos de pouvoir faire ça. Ça j'aime bien ce qu'ils ont fait avec les lames du chaos là. Ok. Voilà, bon, j'ai pas besoin de prendre les MKO pour faire ça, donc c'est cool. Et voilà. Allez. Ah, mais c'est là qu'on avait déjà été. Ah oui, mais je me souviens. D'accord, ok. Mais ça, on l'avait déjà vu. Dans le premier. Donc Fenrir et... Je vois pas qui se... Regarde bien. C'était une porte. Voilà qui est nouveau. Allons-y. Atreus, attends. Je crois que c'est peine perdue. Bah oui. Pour votre équipe de la... Oui, tu sais. Pourquoi ils me rabâchent ça, là? Qu'est-ce que c'est, petit? Où sommes-nous? Un lieu que seuls les géants sont censés voir. Ces fresques racontent leurs histoires au monde entier. Mais les véritables histoires... Les histoires secrètes, elles sont ici, à l'intérieur. D'accord. Tu te rappelles l'histoire de Skoll et Ati? Les loups géants. Odin les capturait pensant qu'il pourrait enfin décider de l'heure du Ragnarok. Je me rappelle. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Regarde, on voit les géants qui libèrent Skoll et Ati. Ils sont libres? Est-ce le passé ou le futur? Tout dépend de quand on la regarde. Une réponse digne d'un géant. Tu vois? Les loups sont saufs, quelque part à Vanheim. Ce n'est sûrement pas là qu'Odin irait les chercher. Les voilà, chassant la lune et le soleil. Une vieille manie. Et puis, là, la lune disparaît. Volée. Atreus. Tu vois, Ati n'a rien à chasser. Et on dit que le vol céleste ne fait pas de victime. Je ne sais pas exactement qui, mais... Quelqu'un arrive et sauve la lune. Ensuite, la lune masque le soleil. Une éclipse totale. Je n'en ai pas vu depuis plus de 100 hivers. Mais là, il chasse une flèche. Et les choses redeviennent normales. Qu'est-ce que tout cela a à voir avec... Attends, ça vient. Ok. Là, regarde, c'est le Ragnarok. Tu vois qui dirige les armées contre Odin? C'est Tyr. S'il livre bataille lors du Ragnarok, cela signifie qu'il est bien vivant. Non? Mimir, est-ce possible? Oda m'a dit avoir tué Tyr. Il me faisait confiance à l'époque. Du moins, je le croyais. Et s'il ne l'avait pas tué? Faire confiance, Oda? Simplement enfermé quelque part tout ce temps. Tu en reviens aussi. Que Nini? Assez. Attends. Il ne fait que mentir. Non! J'ai encore une chose à te montrer. C'est juste ici. C'est où? Là? C'est énorme cet endroit. Mais t'es où? Faut revenir dans la porte? Qu'est-ce que c'est? Tout ce que j'ai trouvé. Enfin, presque tout.
dirait que c'est l'œuvre d'un géant. Tu es retourné à Jotunheim ? Non, j'ai trouvé dans une des autres fresques. Une des autres ? Combien en as-tu visité ? Eh bien, toutes, je dirais. Ah, bah enfin, oui, avec les portes, magiques aussi, donc... Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est important. Et ça aussi. Yggdrasil, ok. À l'intérieur d'une autre fresque, j'ai vu une image de Tyr emprisonné. Je n'ai pas reconnu l'endroit. Les autres fresques contiennent des indices. Elles mentionnent une fumée noire et une terre qui saigne. Mais on n'a jamais réussi à comprendre. Comment ça, on ? Sindri m'a un peu aidé. Ah. Écoute, je l'ai persuadé de le faire. Ce n'était pas son idée. Il me fallait quelqu'un pour couvrir mes arrières. Eh, avec Sindri, oui. Sindri et Brock, en fait, ils peuvent passer d'un royaume à un autre comme ils veulent. Une terre qui saigne. Cette prison serait à Muspelheim. J'en doute fort. Odin ne se préoccupe pas des royaumes primordiaux. Mais la terre qui saigne, c'est probablement une mine. Dans le royaume des nains, peut-être. Svartalfheim, c'est sûrement ça. Leur mine crachait de la fumée noire, et Odin tient les nains sous sa coupe depuis très longtemps. Mais oui, c'est ça. Tirer quelque part à Svartalfheim retenu dans une mine. Alors, on fait quoi ? On rentre. Par ici. Petit, même si nous voulions... Attends. Toutes les histoires que nous avait racontées Mimir à propos des géants, celles de Skoll et Ati, étaient la plus difficile à croire. Des loups géants poursuivant tour à tour le jour et la nuit. Mais en découvrant leurs fresques, Atreus a appris qu'ils étaient en vie. Et si c'est le cas, peut-être que Tyr l'est aussi. Partir à la recherche de Tyr, comment irions-nous à Svartalfheim ? Odin a rendu impossible les liens entre leurs royaumes. Sindri a dit qu'il avait une idée à ce sujet. Sindri a toujours des idées. Cœur brut. Moi j'ai hâte surtout d'aller dans les autres cités, et trucs comme ça, les ça autres villes, rencontrer d'autres personnages. Attends. C'est par là-bas, je sais, mais... Plusieurs embranchements, là. T'es mort, toi, hein ? Oh, y a un coffre, là. Y a un coffre. Comment on fait ? Ah. Ah, c'est bien de fouiller. Ok. Bon, on repasse ici. Il y a un coffre en bas. On peut descendre ici. Je me souviens que tu t'es laissé emporter. Oui. Il me faut être prudent. Oh, j'avais pas prévu de... Ce ne sera pas la première fois. J'avais pas pensé qu'il ferait ça. Ah, de toute façon, j'étais obligé de toute façon pour y aller. Pour ouvrir ce coffre. Mimir, qu'as-tu entendu de l'offre de Odin ? Au petit ? Très peu. Ils sont sortis. Mais d'après ce qu'il a dit... Tu n'as pas à t'en faire. Et les choses qu'il ne nous a pas dites. Ok, donc, passer par là, c'est où ? Ok, c'est bon. On a fouillé l'endroit. Ça m'a surpris, il éclate le sol. Ok, d'accord. Y'a mort. Enfin, un mort qui n'est pas mort.
À droite! Attention! Le gros malaise. J'ai plus de bouclier de toute façon. Ah, je peux quand même bloquer, mais ça. Viens là, toi. Voilà. Qu'est-ce que c'était? Ah non, j'ai assez pour. Ouais, mais attends, on va attendre. Voilà. Alors, on va se soigner un peu. Ah, là-bas aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire tomber? Non, il y a ça à faire bouger. Ok, c'est bon. Putain. Ah, j'ai cru qu'on pouvait monter là. Et là, ça sera un petit stream, comme je dis, un petit épisode d'une heure. Ah bon? Ne reproche pas au petit sa curiosité. C'est normal, à son âge. À son âge, j'apprenais la discipline. Est-ce là tout ce que tu souhaites pour lui? Il finira par suivre sa propre voie, mon frère. Si tu ne veux pas qu'il s'éloigne de toi, fais un effort et marche un temps à ses côtés. Ouais. Kratos, lui, il a été élevé en tant que Spartan. Donc, je crois que c'est ça, hein. En tant que Sparte. C'est un Spartiate. Je crois, hein. Je sais plus. Je sais plus le nom qui était donné. Mais il a été élevé comme ça. Si on réussissait à ouvrir un passage jusqu'à Svartalfheim, je suis sûr qu'on y trouverait toutes sortes d'équipements pour... Assez. Nous irons. Vraiment? Mais si nous ne trouvons pas Tyr, tu abandonneras ta quête. Pour de bon. D'accord. Tu ne regretteras pas. Ok, ça c'était un des trucs pour, je crois, normalement, si je dis pas de conneries. Je cherche le nom. Pour les Valkyries. Mais je crois que c'était pas toutes. Mais je crois que normalement, chaque porte comme ça, c'était pour les Valkyries. Mmh. Il y a du feu. Donc les vagabonds sont venus jusqu'ici aussi. Parce que des fois il y a des endroits où on a du mal à reconnaître parce qu'il y a des endroits, il y a des morceaux qui se sont effondrés, il y a des espèces de montagnes de neige qui bloquent des passages, tout ça, donc ça change ça change les lieux, voilà. J'arrive plus à dire le mot là, mais bon, tant pis. Tempi. Kratos, par ici. Sindri. Oh, en chair et en os. Est-ce bien Atreus? Cela faisait longtemps. Est-ce que tu as grandi? Oui. Là, si vous voulez bien me suivre. Vous laissez entendre que vous aviez besoin d'un endroit sûr où passer la nuit. Et je crois que vos nains préférés pourront vous aider. Nous sommes toujours vos nains préférés, n'est-ce pas? On n'en connaît toujours pas d'autres. Ça me suffit. Après vous, chers amis. Bon, on a toujours la pierre, nous, ou pas? Drastiquement, merci. Où est-ce qu'on vers va? Vers la cabane la plus propre de tous. J'ai... les combien de vies? J'aimerais autant qu'elle le reste. Je ne vise personne. Attends, on le vit... On doit le suivre en bas. Pardon. Le temps pour vous de réfléchir à la suite. Nous y sommes presque. T'es bon. Comme vous pouvez le voir, nous nous sommes installés dans le monde entre les royaumes.
Ce n'est pas grand-chose, mais nous y sommes à l'abri de Fimbulwetter et du regard d'Oda. Et vous apprécierez la vue imprenable sur la grisaille vide et chatoyante. C'est incroyable, Sindri. Cool. Il faut qu'on te parle de notre plan, d'ailleurs. Oh, intéressant. Ça, c'est génial. C'est vraiment très beau ici. Oh, petite créature. Vous avez un lien de parenté avec Todd. Kratos, par ici. Oui, bah tu attends, je visite d'abord le jardin. Il y a une autre créature? Ouais, je les vois là. Ou alors c'est juste des champignons normaux. Pas normal. Ah, c'est des champignons. Ah non, ils sont là. Ils sont là, je viens de voir. Y'a autre chose ou pas? Ok, c'est bon. J'arrive. Attends. Ah merde, j'ai eu un truc à droite. Entrez. Avant tout, voulez-vous bien essuyer vos pieds avec précaution? Je vous attends. Tu n'essuieras pas tes pieds, n'est-ce pas? Bon, très bien. Les chambres sont par là et la cuisine est de ce côté. Quelqu'un veut une collation? Kratos, une collation? Je n'ai pas besoin de collation. Mais on a besoin que tu nous aides à rejoindre Svartalfheim pour qu'on puisse sauver Tyr. Tyr? Il est vivant? Enfin, je veux dire... Quoi? Ne t'inquiète pas. Il sait. J'ai tout raconté. Vraiment tout? Tu as aidé mon fils à me désobéir. Non, j'ai gardé un œil sur lui. À ta place. Rien de risqué. La sécurité avant tout. Vas-y, c'est à toi de parler. L'important pour le moment, c'est d'essayer de rouvrir le passage entre les royaumes. Tu dis connaître un moyen? Oui, oui, et c'est vrai, c'est que... C'est juste que... Il y a beaucoup de boue. Alors, pourquoi le passage n'est-il toujours pas ouvert? Pour être honnête, nous avions besoin de ton aide pour une certaine chose. Ah ouais, mais c'est sûr. Il a fait un petit sourire au tout début, hein, quand... Enfin quand t'as du qui se brille, là. Le plus intelligent. Il se retourne vers Atreus, il fait... C'est exactement ça. Et c'est tout. Pas si vite. Comment c'est arrivé là, ça? Et qu'est-ce que c'est au juste? C'est mon fils. Par les terres de Yarnsmida, que lui est-il arrivé? Il est beaucoup trop grand. Et il ressemble à... ça. C'est ta faute. Bon, venez, qu'on lui trouve au moins quelque chose à sa taille. Il ne fait que grandir, espèce de crétin. N'as-tu jamais eu de moment gênant dans ta propre jeunesse? Eh hey. Bah, ce qui est fait est fait. Hey, quoi? Attends. Mais il est temps que tu tapes du poing sur la table, si tu veux, mon avis. Oh, il essaie, tu peux me croire. Très bien, t'as chaud de... Ah oui, Christopher Judge, c'est génial que ça voit. Boy. Il est en sale état. Tu préfères pas que je t'en fasse un nouveau? Celui-ci. Non, c'est sa femme qui lui a offert. Bon, je vais voir ce que je peux faire. En attendant, est-ce que vous auriez besoin d'une bricole en plus? Oui, on va voir tout ça. Fabriquer et améliorer, gna. On connaît, hein. Brock a assez de matériaux pour forger un nouveau bouclier, et puis... Tac. C'est où? Bouclier. Je n'ai de quoi en faire qu'un seul pour le moment. Rapporte-moi donc plus de matériaux et je verrai. Ah, d'accord. Donc là, c'est vraiment nouveau. Enfin, dans le sens où dans l'autre, on l'améliorait juste, on n'en fabriquait pas de nouveau. 10, ok, d'accord. Un bouclier idéal pour absorber les attaques et riposter. Un bouclier récompensant les parades risquées. Non, pour riposter, plus risqué, moi, peut-être pour plus tard. Bouclier mur de pierre et bouclier intrépide. Oh, c'est dommage, j'aurais bien voulu garder, moi, le bouclier rond. Mais bon. On l'équipe. Tac. Voilà, on pourra pas le faire pour l'instant. Bon, on pourra pas le faire non plus, parce qu'il... Là, donc si on l'améliore, il aura 5 de plus. Ou 15 de plus. Ça c'est cool. Comparer, j'aime bien.
Au moins on peut voir les différences. Rond. Appuyez sur L2 et R2 pour accéder à l'onglet armure. Les deux ou... Ah non, là. D'accord. Armure du compagnon. Si le gamin continue de grandir comme ça... Oh, les classes souvent pour lui trouver de nouvelles choses. Oh, elle est géniale, ça, cette armure. Elle est géniale. Elle est classe. J'adore. Donc là, c'est en dégâts. Là, c'est en tout, non, ou pas? J'ai pas vu. C'est en dégâts, là, c'est en défense. Oh, je vois la prochaine fois, parce que je sais pas trop là. L'âme du chaos. Insuffisant, je peux rien améliorer. Donc, j'ai tout utilisé. C'est où ces trucs, en fait, qu'ils utilisent? Ah oui, là, d'accord, je vois. Il manque un cuir brut. Pour ici. Pour le manche du de la hache. Un cœur brut aussi. J'ai trouvé des trucs que t'as laissé traîner. Tout est dans le coffre. Qu'est-ce que tu deviendrais sans moi? Je vais explorer les lieux, visiter ma chambre. Préviens Sindri quand tu es prêt. Ok. Comment se porte donc notre rustre azuré préféré? Comment tu m'as appelé? Magnifique. Attends, fais voir. J'ai pas vu bouclier. Non, je peux rien faire pour l'instant avec ça. Et là, c'est que oui, c'est ça. Objets spéciaux. Attends. Objets spéciaux. Je peux rien, j'ai rien. J'ai aucun objet. D'accord, c'est bon. On va pas tarder à s'arrêter. Fais voir ce que j'ai. Ce que j'ai pour améliorer l'âme du chaos. Nope. C'est juste de faire, ok, d'accord. Fais voir. On visite, on visite. Ah, j'ai cru que c'était pour la porte. Ouais. Kratos pourrait s'asseoir avec une seule fesse là. Bon, en tout cas, ils ont fait quelque chose de génial ici. Ces escaliers sont trop fragiles pour toi. Évite de détruire ma maison. Ah oui. Les petits escaliers là, tu vas appuyer joint là-dessus. Tu vois, je savais que tu voudrais une collation. Je visite. C'est tout. C'est sa chambre? Hey, viens voir. Sa chambre à qui ça? Sindri ou Brock, un des deux. C'est probablement leur garde-manger. C'est bon à savoir si jamais on a un petit creux. C'est sûr. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode photo. J'aurais aimé qu'il y ait un mode photo, parce que là j'aurais bien pris Atreus en photo là, parce qu'il est il classe. J'espère qu'à l'avenir ils en mettront un avant que je le termine. Hein, parce que... Est-ce que tout est à votre goût? Bon, on verra ça. Moi je vais m'arrêter là. Et je vais en fait m'arrêter sur le stream aussi, parce que je vais. Là je vais prendre la douche. Je vais aller promener ma chaîne, faire une petite course et après je vais chez une amie. Donc voilà. Donc attends. Je serai prêt quand tu le seras, promis. Oui, attends. Voilà. Les lieux sont vraiment géniaux. Là. Génial. Oh, je parle bien la France. À plus tard mon Pascal, merci d'avoir été là en tout cas. À plus. Donc attendez, donc je vous dis merci à ceux qui sont passés, à plus dans le prochain stream et prochain épisode pour ceux qui sont sur YouTube. Likez la vidéo si c'est le cas, si ça vous a plu, pardon, je veux dire, hein, c'est mieux dit comme ça. Partagez avec vos amis, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se donne donc
Rendez-vous dans le prochain épisode. Ciao!